nouvelles règles du droit international que les Américains s'efforcent d'influencer et l'extraterritorialité du droit américain. Et ce soir, nous avons le très grand plaisir d'accueillir Hervé Juvin pour évoquer la finance et en particulier les innovations financières réalisées par les CFJ qui permettent d'asseoir donc cette nouvelle puissance américaine. Hervé Juvin est le président de l'Observatoire Eurogroup, des chefs d'entreprise. Il est économiste. Il a rédigé un grand nombre d'ouvrages, dont le dernier est le gouvernement du désir, qui vient de paraître, je crois, il y a à peine une dizaine de jours. Et je suis persuadé que quand vous aurez entendu Hervé Juvin expliquer tout ça, vous allez vous précipiter chez votre libraire, attendez peut-être jusqu'à demain matin, ou alors passer par la zone pour vous procurer donc cet ouvrage d'Hervé Juvin, qui est publié chez Gallimard. Voilà. Donc Hervé Juvin, si vous voulez venir, je pense que vous serez mieux ici. Bonsoir à toutes et à tous. Merci de cette présentation. Alors donc un exercice un peu périlleux. Pourquoi périlleux? Parce que traiter du sujet que vous m'indiquez, la puissance, les États-Unis, l'innovation financière, c'est courir le risque de voyager en permanence entre des survols géoéconomiques, géopolitiques extrêmement larges et des sujets qui peuvent vite être extraordinairement techniques. Au cœur de notre sujet, il y a les ratios Bâle 3, Bâle 4, il y a les ratios liquidité, il y a les ratios solvabilité. Mais je pense que si je vous en parle pendant une demi-heure, certaines et certains vont avoir tendance à quitter la salle. Et donc je vais essayer de traiter le sujet en plusieurs points. D'abord, comme en général quand il s'agit d'innovation, on pense à l'avenir, on pense au présent le plus instantané, le plus actuel, je crois que c'est bon de prendre du champ et d'interroger ce qui a permis à la finance de marché d'occuper dans nos économies, dans nos vies et dans nos sociétés ou dans l'ordre du monde la place qu'elle prend aujourd'hui. Donc je crois que c'est important de prendre ce recul historique. Il s'est passé des choses, ça n'a pas toujours été comme ça, ça n'était pas nécessairement comme cela, et voilà où nous en sommes. Le deuxième point qui me paraît important, c'est non pas d'interroger, de regarder quelques phénomènes en cours. Quelques phénomènes en cours qui illustreront à la fois la puissance de la finance et le rôle tout particulier que les États-Unis donnent à l'innovation financière, à la mise en conformité des établissements financiers, à la diffusion mondiale d'une réglementation financière d'origine américaine. Puis le troisième point, c'est, je crois, au cœur des questions que les unes et les autres peuvent se poser, c'est naturellement de savoir où nous allons, c'est-à-dire quel est l'univers auquel la puissance financière américaine nous conduit ou nous conduisait. J'achèverai cette introduction sur cette mise en garde. Il s'est passé quelque chose d'extraordinairement important aux États-Unis, qui n'est pas simplement le fait que la candidate présidente que tout le monde, notamment toute la diplomatie française, voyait élue, a perdu les élections. Je crois que la présidence de Donald Trump s'ouvre avec beaucoup d'inconnus. Elle s'ouvre notamment avec une très grande inconnue sur la place que la finance jouera dans l'avenir et plus précisément sur la place que la finance globalisée, qui avait fait son nid à Washington, mais qui quelque part est très hors sol et n'est pas profondément enracinée dans la société et dans la nation américaine. C'est une très grande inconnue de savoir ce qui se passera dans l'année ou les trois années à venir. Les uns et les autres peuvent faire des suppositions extrêmement différentes sur ce sujet. Donc, je terminerai cette introduction en disant, je parle de la situation passée, je parle de la situation actuelle, où finance de marché, puissance financière, États-Unis d'Amérique du Nord étaient très largement confondues. Je ne suis pas sûr que
que ce soit la situation des mois ou des années à venir. Et je crois que c'est important de faire cette mise en garde au départ. Ne confondons pas les choses. Alors, premier point, j'ai donc dit la maille large, et c'est une maille historique. Maille très large d'abord. La France, première puissance continentale, probablement rate son empire maritime ou rate l'intelligence du commerce des mers, et probablement aussi en retard sur l'industrialisation. Le Royaume-Uni devient la première puissance économique et aussi financière européenne. Il se passe une chose intéressante pour aujourd'hui, c'est que la classe dirigeante britannique, quelque part à la fin du 19e siècle, considère qu'il est parfaitement légitime pour elle de vivre des revenus financiers de ses actifs. Et on a la constitution, non pas d'une classe sociale, d'une idéologie de rentier. C'est très clair, si vous lisez les mémoires d'un certain nombre d'hommes politiques britanniques de cette époque, vous en avez même des traces dans les mémoires absolument passionnantes du jeune Churchill, quand il raconte « Mes jeunes années », on a la constitution d'une classe qui considère normal d'investir dans le monde entier et d'en tirer des rentes, et en clair de ne plus travailler. On a un phénomène analogue en France, tout ce qu'on a appelé à la belle époque, tout ce qu'on a l'âge d'or du rentier, c'était parfaitement normal de toucher des dividendes ou des intérêts élevés des mines d'or russes, du port de Valparaiso, de mines de cuivre, je ne sais où dans le monde, et de vivre de ses rentes. C'est très important par rapport à la situation que nous vivons aujourd'hui. Toute une classe dirigeante considère normal que ses revenus financiers assurent son niveau de vie et son enrichissement. Il se passe ce qui se passe assez souvent dans ces cas-là, une autre puissance, et d'ailleurs deux autres puissances, qui travaillent, qui investissent, mais où le capital est un capital directement investi dans l'entreprise qui crée de l'emploi et qui crée un développement territorial fort, États-Unis et Allemagne, prennent le leadership économique. Pourquoi avoir fait cette maille très large? Parce que je voulais en arriver à un élément fondamental qui est le grand tournant des années 30. Le grand tournant des années 30, il suit la crise financière des années 29 et il suit un travail dont l'initiateur a été le grand théoricien de l'économie allemand qui s'appelait Hilferding. Hilferding produit des écrits dans les années 1911-1912 où il est probablement l'économiste qui va le plus loin dans l'analyse du capital qu'on appellerait aujourd'hui le capital investi, dans la proximité, ou à la limite je me sens associé, partenaire de l'entreprise dans laquelle j'investis. C'est tout le phénomène du Mittelstand allemand, c'est tout le phénomène des entreprises familiales, c'est tout le phénomène de l'actionnaire associé, qui estime être pleinement partie prenante de l'entreprise dans laquelle il investit. Et Hilferding dit, il y a un autre capital, j'oublie le mot allemand, mais qui est un capital qui est simplement financier. Je ne sais même pas où j'investis. Pour la petite histoire, on raconte qu'il n'y a pas un seul président d'entreprise pétrolière qui est jamais allé sur un champ d'exploration pétrolière. Le pétrole est une industrie où la plupart des dirigeants n'ont aucun intérêt ni à la matière première ni aux techniques. C'est une industrie géopolitique, financière exclusivement. Et Hilferding dit, ce second capital-là, il détruit les sociétés et il est suicidaire. Crise de 29. Et vous avez plusieurs réformes absolument fondamentales. L'exemple est celui donné par Roosevelt. Roosevelt, avec une violence qu'on imagine assez peu aujourd'hui. Roosevelt dit « La société et l'État doivent tenir en laisse, et la banque et la finance. » Et il fait adopter notamment une loi fondatrice, qui est le Glass-Steagall Act. La banque qui fait du crédit à l'entreprise ou au particulier ne peut pas être une entreprise qui joue sur les marchés financiers. Et la réforme fondatrice du Glass-Steagall Act, j'espère ne pas être trop technique, c'est que la banque qui fait du crédit et qui sert les communautés ne peut pas être une banque qui réalise des opérations sur les marchés financiers, c'est ce qu'on va appeler l'investment bank. Ça, c'est la réforme de Roosevelt. Dr. Schacht, du côté allemand, et d'autres dans différents pays européens font à peu près la même chose. Très paradoxalement, et Hilferding était un juif allemand qui mourra dans un camp, mais quelque part, les très grands économistes qui se mettent au service de l'Allemagne des années 30 vont rigoureusement appliquer l'analyse d'Hilferding. Et l'Allemagne va construire et son réarmement et son formidable progrès industriel des années 30 en favorisant considérablement le capital investi, c'est-à-dire le capital
qui vaut qualité d'associé à une entreprise que l'on connaisse sur un territoire de proximité et délégitimer la mobilité anonyme et nomade du capital financier pur. On a donc une coagulation dans les années 30, après la crise de 29, du « il faut tenir la bride courte à la banque » et « il faut que la finance soit au service de l'économie réelle » et « il ne faut pas ouvrir la boîte de Pandore qui fait que la finance s'en échappe ». Désolé de faire ce parcours historique, mais il est essentiel pour en arriver à un peu plus loin. Un peu plus loin, c'est la fondation des institutions de Bretton Woods, le grand débat entre Keynes contre Henry Dexter White. Keynes voulait instituer une monnaie de réserve et de transaction mondiale qui était le bancor sur lequel toutes les monnaies nationales seraient indexées. Il échoue. Et Henry Dexter White a probablement déjà la vision d'un dollar qui peut échapper à un statut de monnaie nationale. En tout cas, Bretton Woods porte les germes de ce qui va arriver plus tard. Ce qui va arriver plus tard, c'est simple. Les années 50, domestication de la finance, séparation radicale de la banque et de la finance, et essor singulier des sociétés occidentales. C'est une époque dont je n'ai pas la nostalgie, d'ailleurs parce que je ne l'ai pas connue, mais c'est une époque pendant laquelle on pourrait appliquer la grande formule d'homme politique actuelle, le progrès vaut parce qu'il est partagé par tous. Les entreprises vont bien, les actionnaires des entreprises s'enrichissent, mais la totalité de la société progresse. C'est vrai aux États-Unis, ça sera Lyndon Johnson, le progrès de grandes sociétés. Ça va être la reconstruction en Europe et ça va être l'avènement de la société salariale puis de la société des cadres en France. Ça va être le développement du crédit pour tous, porté largement par les banques coopératives en France à partir des années 60, qui vont démocratiser l'accès au crédit, notamment au crédit logement. Et pour le dire d'un mot, la marée porte tous les bateaux dans un cadre relativement protectionniste. Les frontières, ça existe. Dans un cadre où l'endettement public est redouté, comme c'est le général de Gaulle, si la France veut conduire une politique de souveraineté, il faut d'abord rembourser la dette. Il ne faut pas d'endettement à l'étranger ou le moins possible. Pour ceux qui n'auraient pas présent l'esprit, la dette française aujourd'hui est détenue à plus de 70% à l'extérieur de nos frontières. Donc, progrès global de la société et problème. Problème quand l'ouverture du commerce international, problème quand deux aventures singulières, le financement de la grande société aux États-Unis et le financement de la guerre du Vietnam, posent à la société américaine un problème d'endettement insoutenable. On en arrive au fait que, manifestement, l'or ne peut plus être convertible en dollars. Un bateau de la marine française qui va sur les côtes américaines avec des cales pleines de billets en disant bon, on veut, conformément aux accords internationaux, on veut la contrepartie en or, aboutit à la décision de Nixon, qu'on n'appelait pas pour rien Nixon le tricheur. C'est une date absolument fondamentale. S'il y a une chose qu'il faut retenir de cette soirée, c'est cela. C'est le 15 août 1971, où Nixon décide de manière totalement unilatérale et sans concertation, le dollar ne sera plus remboursable en or. Ça permet à son secrétaire du Trésor, M. Connolly, de dire très vite, dorénavant le dollar, c'est notre monnaie, mais c'est votre problème. Parce que qu'est-ce qui se passe ensuite? Il se passe que les États-Unis se donnent cette capacité absolument fantastique de pouvoir émettre ce qu'ils veulent comme dollar sans avoir jamais à considérer qu'ils devront rembourser, puisqu'il n'y a plus d'étalon. Je passe assez vite sur les épisodes suivants. Je passe assez vite sur l'épisode Reagan et Volcker, qui est absolument fondamental. Je passe assez vite sur la libéralisation des marchés, on en parle beaucoup, Madame Thatcher, Monsieur Reagan, qui vont décloisonner les marchés. On va appliquer ça en France, on appelle ça désintermédiation, décloisonnement. C'est probablement moins important que ce que va faire Monsieur Clinton. Et vous allez voir que c'est directement relié à l'élection présidentielle récente. Ce que décide Bill Clinton, après beaucoup d'années de pression intense des milieux de Wall Street, des banques d'affaires et des grandes banques américaines, Bill Clinton, fin des années 90, met fin au Glass-Steagall Act. Mettre fin au Glass-Steagall Act, ça a deux ou trois conséquences extraordinairement importantes sur lesquelles on va être plus précis ensuite. Mais ça a une conséquence, c'est que, pour aller très vite, l'argent collecté
à Atlanta, l'argent collecté à Albuquerque, l'argent collecté au fin fond du Wyoming, va pouvoir servir à faire des opérations sur le marché international des capitaux et peut servir, pourquoi pas, à prendre des risques en Indonésie, au Venezuela, etc. C'est l'aboutissement du mouvement de désintermédiation, de décloisonnement des marchés, qui fait quelque part que la banque n'étant plus cloisonnée, l'argent des dépôts du particulier d'un État comme de la Lozère peut aller financer les subprimes américains. Exemple pris pas totalement au hasard. Ça, d'une certaine manière, ça porte en germe le triomphe de la finance de marché. Pourquoi ? Ça va multiplier les bilans des établissements bancaires d'une manière qui va les rendre très supérieurs au PIB des États. Ça va avoir une autre conséquence, et je voudrais m'attarder un tout petit peu sur celle-ci, parce que là, c'est notre situation actuelle qui est en jeu. Ce que les États-Unis ont mis en place, moins en innovant eux-mêmes qu'en copiant les innovations faites ailleurs. Les mathématiciens français, comme les aventuriers de la finance de Londres, ont probablement donné aux États-Unis les graines fécondes de l'innovation financière, qui souvent ne sont pas parties des États-Unis, mais ils ont donné toute leur puissance industrielle. La première chose qui va se passer et qui est très important dans ce dont on parle, c'est que le décloisonnement des banques va permettre de faire disparaître la notion de risque. La disparition de la notion de risque, c'est la titrisation et c'est le subprime. Et ce sont les fameux prêts ninja. Est-ce que ce mot dit quelque chose à certaines ou certains ? Les prêts ninja, c'est madame, monsieur, vous voulez acheter une maison, no income, no job, no assets. Vous n'avez pas de boulot, vous n'avez pas de revenus, vous n'avez pas de capacité d'endettement, pas d'actifs, c'est pas grave. L'augmentation permanente du prix de votre maison va rembourser le crédit. La crise de 2007-2008 est partie de là. Hein. La crise de 2007-2008 est partie des prêts ninja parce que les prêts ninja, adossés à rien, sont collatérales, disaient les banquiers. On va les noyer dans une opération absolument extraordinaire qui est la titrisation. La titrisation, ça consiste à quoi ? Je vais vous proposer d'investir, vous avez de l'épargne, vous avez de l'assurance vie. Venez à moi, je vais vous proposer d'investir pour votre retraite dans un fonds d'investissement. Il est obligataire, mais ce n'est pas des fonds d'État, des OAT, ce n'est pas des bons du Trésor américain. Je vous ai fait quelque chose de beaucoup mieux, ne me posez pas de questions, mais ça va vous rapporter 1% de plus. La composition du fonds que je vous propose, vous pouvez essayer de chercher, vous ne trouverez pas. C'est un fonds de fonds, c'est... On titrise, ça veut dire quoi ? Ça veut dire qu'on va avoir effectivement une couche d'OAT ou d'obligation d'État. On va avoir une couche d'obligation à élite, c'est-à-dire des opérations d'entreprise à risque, des obligations d'entreprise à risque. Et vous allez avoir une couche qui va être les milliers, voire les millions de crédits à vous madame, à vous monsieur, packagés, dont on dit, on considère que le risque, il vaut tant. On a aggloméré des choses qui éventuellement sont très différentes. On a mis ça dans une grande poche, on dit le risque étant, ça vaut tant de points de base de rémunération. On agglomère ça avec les bons du trésor, on agglomère ça avec les obligations d'entreprise. Et tout ça, ça fait un fonds de titrisation dans lequel je vais vous demander de mettre votre argent pour en retraite. Vous voyez bien quelle est la vertu du fonds de titrisation. C'est que je vous dis le risque, il est de tant. Ça, je vais un peu solliciter les agences de rating et on dira c'est pas mal, c'est AA+. La réalité, c'est que personne, y compris les agences de rating, n'est évidemment capable d'aller voir, je suis désolé, je ne regarde personne, que vous avez déjà fait faillite trois fois, que vous êtes en état d'alcoolémie permanente et que néanmoins, la banque vous a prêté 150 000 dollars pour une maison dont déjà la valeur sur le marché est passée en dessous de 100 000. C'est ça l'explosion de la titrisation. C'est que personne n'est plus allé voir au fond le risque. Pourquoi est-ce que personne n'est plus allé voir au fond le risque ? C'est parce que quand la banque garde le crédit dans ses livres, c'est elle qui porte le risque. Et donc, ben, je suis désolé, mais étant donné l'enquête de voisinage, étant donné votre passé bancaire, vous n'aurez pas votre crédit pour acheter cette maison. Je suis désolé, monsieur, je comprends tout à fait votre projet, mais le marché de l'immobilier ne va pas bien. Vous ne pouvez pas rembourser ou je ne vois pas avec quel revenu vous rembourseriez. Et j'ai peur que la valeur de la maison que vous voulez acheter baisse. Donc, je ne vous consente pas de crédit. Je suis un peu technique, mais ce que je dis là est extrêmement important. La banque, quand elle garde dans ses livres le risque de crédit, ne fait pas de finance de marché.
La banque, quand elle vous accorde un crédit et le titrise, elle fait de la finance de marché. Et ça lui permet de faire disparaître la notion de risque. Ça lui permet quelque chose de merveilleux, ça lui permet de gagner sur tous les tableaux. Parce que ça lui permet de gagner sur le crédit qu'elle consomme, ça lui permet de gagner des coms sur le fonds d'investissement qu'elle va vendre. Et donc, on multiplie les sources de revenus. Donc, on est sur un mécanisme très intéressant, celui de la titrisation. Il est d'autant plus intéressant que c'est lui qui est à l'origine de la crise de 2007-2009. Je voulais en arriver là. Qu'est-ce qui se passe en 2007-2009? C'est que vous avez des gens plus ou moins remarquables. Certains sont quand même effectivement des génies de la finance. Il y a deux, trois gros gestionnaires de fonds américains qui, depuis des années, disaient « ça va éclater, ça va éclater, ça va éclater ». Certains ont investi à titre personnel et perdu des centaines de millions de dollars. Ils ont gagné des milliards. Parce qu'ils avaient joué sur l'éclatement du marché. Et quand la crise commence, tout à fait fin 2006 et 2007, on se rend compte d'une chose très simple, c'est que des millions d'emprunteurs de prêts pour le logement ne pourront pas rembourser. Ils vont d'ailleurs être expulsés parce que les banques vont faire des opérations de saisie immobilière dans des proportions inimaginables en France, en plus sur documents truqués, je ne vais pas rentrer là-dedans. Et donc, les fonds titrisés, et donc le marché obligataire s'effondre, avec les conséquences que vous connaissez, c'est la faillite de Lehman. Et c'est le fait que pendant un moment, la quasi-totalité du système bancaire occidental, et je dis bien occidental, est en danger. Il n'est pas en danger sur les pratiques bancaires que vous avez à l'esprit classique, parce que la banque aurait mal apprécié les risques. Ils sont en danger parce que la pratique de la titrisation a fait disparaître la notion de risque. Et quelque part, la finance provoque cette crise qui a deux conséquences absolument stupéfiantes. Et c'est là où on est réellement dans la notion de puissance. Un, comme l'écrivent, ils sont un peu les seuls, comme l'écrivent beaucoup les Chinois, la puissance financière américaine a permis de faire une crise étroitement localisée au territoire américain, une crise mondiale. Ils ont exporté la crise. La deuxième chose absolument extraordinaire, c'est qu'un peu partout dans le monde, des banques se sont trouvées en difficulté, notamment, je ne citerai aucune banque française, mais il y a des banques françaises qui avaient des milliards et des milliards d'expositions sur les subprimes américains. Je le répète, hein, l'argent de la Lozère ou de l'Aveyron a été perdu sur les subprimes américains. Et on va assister à cette chose absolument exceptionnelle, c'est qu'un endettement privé insoutenable va se transformer en endettement public insoutenable. Et là, c'est, si on peut dire, le nœud coulant que les marchés financiers ont passé autour du coût des États, les États sont obligés de se porter garant des dettes privées. Parce que la finance et la banque savent très bien faire monter les enchères en disant si vous laissez, le débat sur la faillite de Lehman reste ouvert, si vous laissez un autre établissement financier, à titre d'exemple AIG, une des premières compagnies d'assurance mondiale, si vous laissez telle ou telle banque européenne faire faillite, si vous laissez des banques dans d'autres pays du monde faire faillite, la totalité du système est emportée. Et c'est là où la puissance américaine est extraordinaire, c'est qu'en Europe, en Asie, un peu partout dans le monde, les États vont se porter au secours du système bancaire mis en danger par la finance de marché et mis en danger par les pratiques américaines de la finance de marché, et qu'un peu partout, de la dette privée va se transformer en dette publique. Et de la même manière qu'on tient les particuliers par leur endettement privé, on tient les États par leur dette privée, par leur dette publique. Donc ça, c'est une étape importante, je crois qu'il faut comprendre, dans l'avènement de la puissance financière américaine. Puisque dans ce que j'ai dit, dans le sauvetage des banques, dans l'endettement public qui substitue à l'endettement privé, et donc dans les rapports de puissance, ce sont les marchés financiers qui prennent la puissance sur les États. Vous avez un général américain, ancien commandant en chef des forces de l'OTAN, Wesley Clark, qui dans une conférence au California Club, il y a quelques années, l'a très bien dit, il y a eu un coup d'État invisible. Il y a eu un coup d'État invisible après le 11 septembre, quand l'État profond, militaro-industriel, a pris totalement le contrôle des affaires internationales. Et il y a eu un second coup d'État invisible quand au complexe militaro-industriel a succédé un contexte financiaro-militaire, si je puis dire. Et quand les grands acteurs de la finance de marché ont acquis un contrôle à peu près total sur la politique américaine et sur une partie de la politique mondiale. Général Wesley Clark, California Club, vous pouvez retrouver ça sur Internet. Sur le troisième effet de ça, il est en train de s'exercer aujourd'hui en Europe. Et là, on a un effet de la puissance qui est tout à fait singulier. Un système
à cause de la suppression du Glass-Steagall Act, a conduit à une crise mondiale, dont nous n'avons été sauvés que parce qu'un certain nombre de pays étaient extraordinairement peu dépendants des circuits de marché américains. J'y reviendrai. Eh bien, la solution donnée pour la sortie de crise, notamment à l'Europe, je vous la donne en mille, c'est de copier le système américain. Le système bancaire européen est un système, prenons l'exemple français, on pourrait le prendre en Allemagne, qui repose très largement sur des banques de proximité, des banques régionales de plein exercice, qui ne recherchent pas des rentabilités très élevées. Si vous regardez les banques coopératives, elles vivent très bien avec des rendements de 6-7%, parce qu'elles ne payent à leurs sociétaires le capital qu'à un coût qui aujourd'hui est de 1-8%, historiquement a toujours été du côté des 3%. Là où les fonds d'investissement et la finance de marché internationale exigent du 14, 15 à 20% de rendement financier par an. L'industrie, le tissu des PME, l'activité régionale en Europe repose très largement sur les banques de proximité et repose très largement sur ces modèles dont l'exigence de rendement capital est très inférieure. Ce qui se passe de tout à fait extraordinaire avec une séparation historique entre la banque et les grandes opérations de marché. La banque universelle a été extraordinairement prudente sur les grandes opérations de marché. C'est probablement une des raisons des sanctions infligées à BNP Paribas d'ailleurs, dont la prudence et le succès mondial faisaient trop d'ombre à la finance américaine. Qu'est-ce qui se passe aujourd'hui? Je vous le donne en mille. Au sein des institutions européennes, au sein des comités de Bâle, au sein de tout ce qui décide des nouveaux modes de réglementation pour faire qu'il n'y ait pas de faillite bancaire, on est en train d'imposer à l'Europe le modèle américain. C'est-à-dire qu'on est en train d'imposer à l'Europe un modèle de réglementation et de régulation du risque bancaire qui fait que le financement par le crédit bancaire qui reste dans les livres de la banque, et donc on identifie parfaitement le risque, on est en train de le faire passer à une intermédiation de marché qui est beaucoup plus coûteuse et exigeante en rendement et qui surtout permet de faire disparaître la notion de risque. Je m'arrête de nouveau une minute sur la disparition de la notion de risque. Aujourd'hui, la titrisation est repartie. Mais aujourd'hui, vous avez un produit beaucoup plus intéressant. Certains d'entre vous, si vous investissez, ont peut-être investi en Electronic Traded Funds, ETF. Les ETF, c'est un produit merveilleux. C'est à peu près l'équivalent de la titrisation. Toujours pour votre assurance vie, vous souhaitez un produit performant. Moi, j'ai un truc nouveau en rayon et c'est absolument super, parce que ça va vous donner tous les avantages de produits divers. C'est-à-dire, il y aura un petit peu d'action, il y aura pas mal d'obligations, il y aura des produits titrisés, pourrait même y avoir un peu de monétaire, et avec tout ça, je vais prendre le meilleur de chaque marché. Donc, vous imaginez l'océan d'opportunités qui est devant vous. C'est quand même ça, les ETF. Et les ETF, c'est quoi? C'est tout simplement une potion magique qui fait que vous, investisseur final, c'est pas la peine, vous ne saurez jamais ce qu'il y a dans le produit que je vous vends. C'est-à-dire, le produit que je vous vends est construit, d'abord de manière à assurer des flux de commissions satisfaisants et opaques. Ça, c'est un autre sujet, c'est la cuisine interne de tous les fonds d'investissement, de toutes les banques. Mais surtout, il est construit de manière à ce que vous ne puissiez jamais aller voir ce qu'il y a dans le moteur de la machine. Ça veut dire quoi? Ça veut dire tout simplement que si je vous propose une action, je vous propose d'investir en L'Oréal. Vous allez peut-être aller voir les comptes de L'Oréal, vous allez peut-être aller voir la boutique proche pour voir leurs produits et ce qu'ils ont bonne mine, vous allez peut-être vous renseigner sur l'entreprise L'Oréal et identifier un risque. Si je vous dis non, L'Oréal, c'est vieux, investissez donc dans cette PME, elle est située rue du Faubourg-Saint-Martin, aujourd'hui elle n'a encore que 60 salariés, mais elle a déjà collecté 50 millions d'euros, vous allez peut-être aller voir l'entreprise et dire bof, c'est bien gentil, elle a peut-être collecté 50 millions d'euros, mais ce n'est pas pour moi ce niveau de risque. Vous avez une capacité, vous, investisseur final, à apprécier le risque. Le travail de la finance de marché aujourd'hui, ce n'est pas d'aller financer la start-up ou d'aller financer L'Oréal. Le travail de la finance de marché et de l'innovation, c'est très largement de vous fabriquer des produits mirifiques dans leur présentation marketing, mais qui vous interdisent toute identification du risque final. Qui ont par ailleurs un autre avantage, et là, je vais aborder une autre partie, c'est qu'ils coupent radicalement le lien que vous pourriez avoir, le lien identitaire, pour employer un mot interdit, avec une entreprise, avec un type d'activité, avec un territoire. C'est pas hasard si dans l'histoire, les actionnaires de Michelin et de Peugeot, c'est bizarre, c'était énormément à Sochaux et à Clermont-Ferrand. C'est pas un hasard si aujourd'hui l'entreprise en Europe qui a le plus grand nombre d'actionnaires s'appelle l'Air Liquide,
qui a une politique extraordinaire de personnalisation de sa relation avec les actionnaires. À tel point que les actionnaires s'estiment réellement associés et liés par autre chose que le rendement financier à cette entreprise. C'est ce que la finance de marché veut casser. Et la finance de marché, il procède admirablement avec des produits comme les ETF, comme la titrisation, etc. Je partage tout ce que vous dites, juste sur l'ETF, c'est juste la réplication d'un indice. C'est pas, on ne peut pas mettre n'importe quoi dedans. Oui. Enfin, je partage, mais on peut le construire de manière à... C'est pas la titrisation, c'est juste la réplication d'un indice. Donc si moi, actionnaire, je veux acheter 4,40, je peux acheter... Je peux le faire, tout à fait. Enfin, tout à fait mais je peux construire mon indice. Enfin, voilà. Vous voulez insister sur l'opacité. Oui, vous avez. Alors, on en revient à la puissance américaine et on en revient à en quoi tout ça fait système. Je crois que ça fait système sur trois ou quatre points. Et désolé si ce sont peut-être des points un peu violents. Ce qu'il faut avoir, je crois, présent à l'esprit, c'est que en Grande-Bretagne, comme en Allemagne, en France, comme aux États-Unis, les sources de la légitimité du droit sont différentes. Il faudrait interroger le fondement à pas d'impôt sans représentation. Il faudrait interroger à la fois la constitution de l'État et de la nation française et ce qui s'est passé à la Révolution. Mais j'en arrive très vite à ce qui, je crois, fait le fond de la légitimité du droit aux États-Unis aujourd'hui et qui est très profondément étranger à nos cultures, aussi bien allemandes que françaises ou britanniques. Aujourd'hui et de manière croissante, est légitime ce qui assure la bonne marche des affaires. On a de manière croissante une subordination de la justice, des poursuites du procureur américain, mais surtout du jugement, à ce qui est bon pour la marche des affaires, est légitime en droit, est fondé en droit et aura la bénédiction du juge. La conformité sert assez confortablement à ça, mais je ne vais pas développer ce point que j'ai beaucoup abordé par ailleurs. Ça, c'est un point qui me paraît extraordinairement important. Et donc, le premier point de la puissance financière américaine, il s'articule totalement sur le droit, c'est le droit qui doit procéder à l'aplatissement du monde. Le programme d'aplatissement du monde, vous le trouvez dans un livre excellent, livre de Friedman, « The World is Flat ». Ce n'est pas un constat, c'est un programme. Nous devons faire le monde plat, pour que rien ne s'oppose à la course illimitée du capital à la recherche des meilleurs rendements. Le monde doit devenir plat et la totalité des biens, des services, des terres, du vivant et des hommes doivent devenir des produits de marché comme les autres. Le culte de la diversité, du sans-frontiérisme et le culte d'immigration, ça sert à ça. Les mouvements des hommes doivent être un marché comme les autres. Très fortes incitations qui se développent en France à faire des terres arables, aujourd'hui contrôlées par les affaires, un marché comme les autres, c'est cette logique de l'aplatissement du monde. Et cet aplatissement du monde, il va être réalisé par le droit, l'idée étant que partout dans le monde, et en tout cas les pays alliés des États-Unis, doivent adopter les normes et les règles américaines. Point. C'est à ça que sert l'extraterritorialité du droit américain. Vous aviez la gentillesse d'évoquer un rapport que j'ai consacré à ça, je vous ai d'ailleurs apporté 3 ou 4 exemplaires, ça intéresse certains. L'extraterritorialité du droit américain, c'est l'idée selon laquelle, dans le monde des affaires, du commerce et de la finance, une seule règle doit s'appliquer partout dans le monde, c'est la loi américaine. Et vous savez que les entreprises françaises et européennes ont quand même payé très cher pour avoir été jugées non conformes aux lois américaines. Ce principe a des conséquences assez intéressantes, un peu violentes, j'en citerai 3. La première chose, c'est que, sous couvert de lutte anticorruption, sous couvert de généralisation d'un système unique de droit, de réglementation bancaire et financière, on peut considérer qu'on assiste à l'extension mondiale d'un système de corruption. Ce système de corruption, je le caractériserais ainsi, mais il faut se référer aux législateurs de l'Antiquité, les Solons, les Lycurgues, les Catons, etc. C'est que l'argent des fondations, des think tanks, des ONG, va permettre de déconstruire les singularités des législations nationales et va permettre de déconstruire les singularités des modèles de financement nationaux. Il est clair, par exemple, qu'en France, en Allemagne, le financement du Mittelstand, ce tissu de PME tellement puissant, qui repose sur des relations extraordinairement intimes avec des banques régionales de proximité et de plein exercice, il est soumis
à des contraintes extrêmes sous la pression américaine qui veut déconstruire les banques de proximité et déconstruire le Mittelstand pour permettre à cette banque d'investissement, en gros, de prendre le contrôle. C'est exactement la même chose que ce qui est en train de se passer avec les banques coopératives ou les systèmes mutualistes en Europe. Nous avons de nouveau une offensive extraordinairement violente à cause des exigences de liquidité et de solvabilité, à cause de la non-reconnaissance des parts sociales comme capital, parce que les parts sociales, on peut discuter pour savoir si c'est de la dette ou des fonds propres. Tout ceci correspond à une offensive stratégique que je crois extraordinairement bien construite, qui passe par les institutions de Bruxelles, par différents comités de réglementation, et qui vise, en clair, à déconstruire totalement le système de financement bancaire par crédit en Europe pour lui substituer un système de financement direct par le marché dans lequel les établissements financiers américains sont au roi. Donc, premier élément, je dirais corruption, parce que le sens originel de corruption, c'est le changement des lois et des mœurs par l'argent étranger. Nous y sommes en plein. L'argent des fondations, des think tanks, des ONG sert à déconstruire l'État-nation, sert à déconstruire des lois qui procédaient des traditions, de l'histoire, de la mémoire et de choix souverains pour leur substituer des lois venues d'en haut dans l'intérêt à peu près unique de nourrir la puissance financière et l'exceptionnalisme financier américain. Le deuxième point qui est très important, et je l'écris au passé, hein, le deuxième point qui est très important, c'est que la puissance financière concentrée à Washington, souscrivant totalement à l'agenda globaliste, Fondation Bill Hillary Clinton, Fondation Gates, Fondation Soros, etc., sert un capitalisme du chaos. Le capitalisme a dû travailler au progrès global quand il était en concurrence avec le communisme. Pour le dire d'une formule violente, le patron aime bien payer des bons salaires quand il a un canon sur la tempe. Il n'y a plus de canon sur la tempe à partir de 91. Le communisme est mort. C'est la fin de l'histoire. Mais c'est surtout la phrase remarquable par sa franchise de Warren Buffett, il y a bien une guerre entre les pauvres et les riches et nous l'avons gagnée. Et ce mot veut dire nous ne devons plus rien à la société parce qu'elle ne nous intéresse plus. Ça veut dire quelque part que le capitalisme financier peut s'affranchir de l'État-nation et peut s'affranchir de la société. Mais je crois devoir aller plus loin dans l'analyse du capitalisme de chaos. C'est que dorénavant, pour pouvoir extraire toute la valeur des ressources naturelles, des terres, des migrants, du travail salarié, du vivant lui-même, il faut que plus aucun État-nation, plus aucune tradition, plus aucune société constituée ne s'oppose. Et donc le capitalisme financier mondialisé va travailler à détruire les États-nations partout où il s'oppose à lui. Alors les premiers exemples qu'on a vus, c'est l'idée du grand Moyen-Orient. On a détruit sciemment un certain nombre d'États dont je rappelle qu'ils étaient laïcs, multi-ethnique, multi-confessionnel. Le ministre des Affaires étrangères de Saddam Hussein était un chrétien, Tariq Aziz. On a déconstruit un État qui tenait par un prodige entre des communautés extraordinairement différentes et quelquefois violemment opposées qu'était la Syrie. Je ne vais pas continuer le tableau. Il s'agit de détruire les États pour que rien ne s'oppose à l'exploitation à peu près illimitée de leurs ressources. Je viens d'en avoir un témoignage parce que je rentre d'Afrique. L'Afrique et la République démocratique du Congo est un des pays où l'on sait de manière établie, on le publie peu, que des fonds d'investissement ont financé des guerres locales. Tout le problème est d'éviter qu'il y ait un État-nation en République démocratique du Congo parce que ça permet de sortir les diamants, le cuivre, tout ce que vous voulez, sans payer un sou de taxe et en payant 10 dollars de salaire par semaine. Ça permet accessoirement de sortir le bois, etc., et, pour être clair, de piller le pays. On ne peut payer un pays qu'en ayant détruit ses structures étatiques. On ne peut piller un pays qu'en ayant détruit les traditions, la morale et les institutions sociales qui faisaient que ce pays, quelque part, se tenait debout et imposait des limites au désir humain et à la cupidité. Faites sauter l'État-nation, supprimez les traditions, les structures familiales et institutionnelles. Vous allez livrer toutes les ressources disponibles, et je dis bien toutes, y compris la vie humaine et le vivant, à la convoitise illimitée du capital financier. Troisième et dernier point de ce tour nouveau de la puissance financière qui s'était incarnée et qui avait sa tour de contrôle aux États-Unis et à Washington, c'est le capitalisme de la confusion. Il s'agit de réduire la totalité des relations humaines à des relations contractuelles.
Il s'agit de faire que le paiement d'une somme d'argent puisse épuiser n'importe quoi dans la relation humaine. Il s'agit d'en finir, triomphe de l'individu absolu, il s'agit d'en finir avec tout ce qui pourrait établir des liens durables, des appartenances, des relations à l'histoire, et limiter le rendement illimité du capital investi. Et cela, nous le voyons de manière extrêmement frappante dans la législation allemande. La législation allemande sur la diffamation, sur les incitations à la haine, est en train de dire qu'on pourra condamner des gens qui disent « nous ». Dire « nous » allemand, c'est déjà coupable, parce que c'est désigner des gens qui ne seraient pas allemands. Or, là, on touche évidemment au fondement même de la condition humaine, et on touche au fait que notre condition d'individu politique, c'est de pouvoir dire « nous », et si je puis dire « nous » avec les uns, c'est qu'il y a des autres. Il ne s'agit pas ni de les tuer, ni de les mépriser, mais je ne sais qui je suis que si je sais dire « nous » avec les uns, parce qu'il y a les autres en face de moi. On est sur quelque chose d'extrêmement profond, parce que ça touche à notre condition anthropologique. Et quelque part, le capitalisme du chaos et le capitalisme de la confusion, je terminerai là-dessus, sont en train de toucher de manière extraordinairement profonde et peut-être d'attaquer de manière extrêmement profonde notre condition anthropologique d'individu politique. Je crois que l'individu absolu n'existe pas. Je crois que nous sommes tous porteurs d'une histoire et nous vivons plus par les appartenances et par les liens qui nous structurent que par les biens que nous possédons ou par les revenus que nous nous assurons. Réduire toute personne humaine et tout citoyen à un individu absolu, c'est quelque part en faire le sujet du rendement illimité. Je crois que c'est ce qui est fondamental dans notre réflexion et je voudrais terminer là-dessus. Et je voudrais terminer sur deux points. Un point absolument essentiel de débat dans les années à venir, ça sera la reconnaissance de droits collectifs. L'équilibrage des droits de l'individu par le droit des sociétés, par exemple à leur sécurité environnementale et sanitaire. Par exemple, par le droit à une certaine sécurité morale et politique, on n'a pas le droit de l'extérieur de les déstabiliser à n'importe quelle condition, n'importe comment. L'importance des fake news et l'importance de ce qui se passe avec Internet sur la scène politique va rendre cette question d'actualité de manière extraordinairement violente. Le deuxième point qui m'apparaît important pour conclure, j'ai dit beaucoup de choses au passé. Tout simplement parce que beaucoup de signes dans la campagne du candidat élu, comme l'on dit, dans la campagne de Trump, disent qu'il est fort possible que dans les semaines et dans les mois à venir, le capitalisme du chaos, le capitalisme du sans-frontiérisme absolu, le capitalisme de l'individu absolu, perdent sa base arrière et sa forteresse qui était à Washington. Regardez les derniers messages de Donald Trump, ils étaient d'une violence inouïe sur tout le réseau de fondations constitué en étoile autour de Bill et d'Hillary Clinton. Ces derniers messages étaient extraordinairement violents sur l'idéologie du sans-frontiérisme, de la mobilité absolue et du libre-échangisme. Et vous avez vu que ses premiers actes en tant que candidat en puissance d'être président dans quelques semaines, c'était de travailler à la reterritorialisation, c'était de dire qu'il ne souscrivait pas aux grands traités de libre-échange, qui sont naturellement au cœur de ce que j'évoque, de la montée de la puissance financière. Et c'est aussi de n'avoir pris aucun membre de la Silicon Valley dans ses équipes de conseil, dans ses équipes de gouvernement à venir. Donc je ne sais absolument pas ce qui va se passer. Mais il est extrêmement possible que la base arrière du globalisme financier soit en train de se déplacer. Et il y a une très grande inconnue. Est-ce que cette base arrière est susceptible de partir en Asie? On sait, et je terminerai là-dessus, on sait que la Chine s'est dotée des chambres de compensation, on sait que la Chine s'est dotée d'à peu près tous les outils qui permettent à une banque, qui permettent à une grande entreprise de travailler à peu près partout dans le monde, sauf aux États-Unis, sans passer par le dollar et sans courir le moindre risque de tomber sous le joug de la justice américaine. C'est une question très intéressante. Il faut se rappeler quand même que des organisations très puissantes, par exemple possédées par M. Dick Cheney, des entreprises dont était proche et actionnaire important M. Rumsfeld, aujourd'hui elles sont domiciliées à Dubaï. Aujourd'hui, elles sont domiciliées totalement en dehors des États-Unis. Qu'un certain nombre des sociétés militaires privées les plus puissantes du monde sont de création américaine, mais leurs sièges sont soit dans des îles bizarres dans le Pacifique, soit elles sont aux Émirats
ou quelque part dans le golfe, proche du golfe Persique. On a des indications extrêmement intéressantes aujourd'hui par les conversations qui font qu'un certain nombre de sièges de grandes entreprises américaines pourraient se retrouver à Singapour ou en Asie. Ça pose une question, et je terminerai là-dessus. Attention aux liens, l'hyperfinance, ce ne sont pas les États-Unis. La puissance financière accumulée à Washington, et je dirais l'agenda globaliste, ce ne sont pas les États-Unis, parce que Donald Trump a été largement élu contre cela. C'est peut-être une illusion, mais nous allons probablement être appelés dans les années à venir à faire une distinction très importante entre l'hyperfinance mondialisée qui est totalement hors sol, qui pendant un moment avait trouvé un porte-avions très confortable à Washington, qui en raison du Brexit, je pense, ne peut plus le trouver à Londres, mais qui pourrait très bien demain opérer à partir de telle ou telle place financière asiatique, voire moyen-orientale. Je pense que les porte-avions dans ces pays ne manquent pas. Merci de votre attention, et je suis probablement ouvert au débat. Alors avant d'entamer les questions, si vous allez avoir la parole très rapidement, juste une question des deux personnes qui sont à côté de vous, donc de Pascal et de moi-même. Par rapport à ce que vous avez dit d'abord, je crois qu'on peut féliciter Julien Pascal de cette extraordinaire exposé, d'une clarté rare. Et je suis ravi, en tout cas, et très honoré qu'on ait ce type de discours à l'école de guerre économique et par le biais de l'art du conflit, parce que je crois que là, on est vraiment au cœur du débat auquel nous essayons, autour duquel nous tournons depuis un certain nombre d'années et auquel nous essayons, à notre très modeste niveau, de participer, au moins pour en comprendre l'aspect pédagogique. Alors, moi, j'aimerais poser une question à Hervé Juvin. Par rapport à cette logique de puissance financière qui semble implacable, quelle peut être la politique de résistance, voire la subversion de cette logique financière ? Sachant que je vous ai bien écouté sur la fin, c'est-à-dire je crois que l'État communiste chinois peut être suffisamment tordu dans sa tête pour accepter ce déportement, je vais pas citer la phrase de Lénine, pour mieux étrangler encore cette pauvre puissance financière qui va peut-être croire trouver son salut sous sa protection. Donc nous, pauvres petits Français et petits Français, avons-nous une marge de manœuvre, sachant que nous sommes heureusement l'un des derniers pays imprévisibles, car si on ne fait plus de stratégie, on a au moins cette qualité, c'est d'être imprévisible. Et est-ce que, parce qu'il y a des personnes comme vous, mais je ne suis pas sûr qu'il y en ait partout, on peut jouer un rôle dans ce que j'appellerais une démarche de résistance, voire une démarche subversive, pour ne pas se faire étrangler par plus fort que nous, ce qui est déjà le cas, et même si le déplacement de l'étranglement se situe plus vers l'Asie, l'Europe ou les États-Unis. Il y a beaucoup de choses dans votre question. Marx, Hilferding, quelques autres grands économistes allemands, Rist aussi. Bref, quelques autres. Dans l'histoire, à plusieurs reprises, quand une partie très importante de la classe dirigeante, c'est pourquoi j'ai commencé en faisant la maille large, quand une partie très importante de la classe dirigeante considère qu'elle peut se livrer à beaucoup de choses, y compris politiques, mais que ses revenus doivent venir du rendement du capital financier et met la pression sur le rendement du capital financier, ça explose toujours. Ou ça aboutit à une perte de puissance. Ça, je pense que c'est quelque chose d'extrêmement important à retenir. Ça va de pair avec la dégénérescence historique des aristocraties. On peut remonter très loin. Et donc, vous avez nombre de gens. C'était la leçon que j'avais trouvée pour ma part remarquable, qu'un monsieur qui n'a pas bonne presse en Occident, il a été à peu près totalement boycotté en Occident parce qu'il avait dit que si ses services avaient l'occasion de se saisir de M. Soros, il le prendrait haut et court.
c'était le dirigeant de la Malaisie, et la Malaisie a été ruinée. Enfin, des millions de Malais ont eu un énorme problème, parce que Soros avait organisé l'attaque sur la livre malaise, et Soros, d'ailleurs Georges Soros faisait attention de ne pas fréquenter certains coins du monde en Asie. Parce que je pense que c'était vraiment, c'était le chef de l'État malais, qui a fait une chose extraordinaire, parce qu'il a créé le projet 2020 dans les années 80-90, qui a donné à la Malaisie une dynamique industrielle et économique assez extraordinaire en Asie. Et ce patron de la Malaisie disait « La finance ne vous sert qu'à une chose, c'est à vivre au-dessus de vos moyens. Et tôt ou tard, vous devrez vous rendre compte que ça n'est pas durable et vous devrez vivre selon ce que vous produisez. » Je pense que c'est une des clés de la réponse que je ferai à votre question. Celles et ceux qui imaginent que le système de l'hyperpuissance américaine et le système de l'hyper-sollicitation financière ou de l'hyper-exigence financière, que certains parlent d'hyper-rendement, avec des fonds qui demandent des 16, des 18%, c'est juste pas vrai dans le réel. Je discutais récemment avec les responsables importants de deux des plus grandes entreprises industrielles françaises qui me disaient « Mais nous, historiquement, notre activité, quand ça rapporte du 3 à 4,5%, c'est très bien. On est obligé de faire du 12% pour les fonds pour que notre cours en bourse s'effondre pas, mais c'est des fake things. C'est, on fabrique des chiffres, on fabrique des données financières. La réalité de nos activités industrielles, c'est que si on sort du 3 à 4,5, allez 5% les bonnes années, on est très content. Historiquement, c'est comme ça. C'est des activités qui existent depuis longtemps. On ne peut faire du 15%. C'est mon truc, parce qu'on sollicite. Donc ça serait ma première réponse à votre question. La deuxième réponse, c'est que nul ne sait où va aller la guerre des monnaies qui s'est engagée. Il y a un mot que j'ai peu prononcé, vous avez peut-être été déçu, c'est le dollar. Le dollar continue d'assurer une part absolument exorbitante des négociations internationales. On sait bien que nombre de pays dans le monde, y compris des pays assez peu connus, je pense à des pays d'Afrique australe, en fait leur monnaie est complètement alignée sur le dollar. Mais on sait qu'aux guerres commerciales ont succédé les guerres des monnaies. Regardez l'importance pour le commerce asiatique, pour le commerce européen, de ce qui est en train de se passer sur le dollar. Est-ce que c'est tenable, et pour bien dire le mot, quelle est la stratégie des Chinois et quelle est la stratégie de l'organisation de Shanghai là-dessus ? Honnêtement, personne n'en sait rien. Mais le fait que la place du dollar soit assurée pour les 10 années à venir, le fait que le dollar reste la monnaie de référence des grands marchés de marché de première, etc., etc., pour les années à venir, j'ai énormément de doutes, d'autant que j'observe comment année après année, mois après mois, les Chinois sont en train de se doter de tous les systèmes et de tous les outils qui leur permettent d'offrir une alternative complète. Dans une réunion récente, quelqu'un disait « Le juge américain est compétent pour le dollar, mais il est aussi compétent pour les cartes de crédit, puisque les Américains ont racheté tous les systèmes de cartes de crédit. » Je n'ai pas répondu, mais ce n'est pas vrai. Il y a un système de carte de crédit chinois qui est accepté à Paris, qui est accepté dans beaucoup de pays du monde. Il se dit qu'il est accepté en Afrique. Je ne sais pas s'il est accepté aux États-Unis. Si vous avez une banque qui vous donne cette carte de crédit chinoise, vous ne courez aucun risque parce que le procureur américain, il n'y a aucun lien avec le dollar, le procureur américain ne peut pas vous poursuivre. Les Chinois ont mis en place un marché de l'or, on en a assez peu parlé. Pour moi, c'est probablement une décision très importante. Les Chinois ont mis en place à Shanghai un marché de l'or physique, pas des titres, pas du virtuel, physique, qui est en train de monter en puissance. Et il est probable, alors certains pensent que les Chinois ont l'idée de ramener à l'agenda des institutions internationales l'état noir, ou de dire un jour, nous on coupe avec un système de monnaie internationale qui n'assure pas la stabilité économique, qui peut assurer les pires catastrophes économiques en prêtant le flanc à la spéculation, et nous on recrée un panier de monnaie asiatique avec le rouble ou autre, indexé sur l'or. Et d'ailleurs, on a ouvert un marché qui est en train de devenir le marché de référence de l'or. Puisqu'on sait que le marché de l'or est complètement pipé par l'intérêt des banques américaines. Pour faire vite et pour faire très short, si certaines et certains s'intéressent à ça, vous pouvez lire des choses là-dessus. On sait que les Américains n'ont pas de loin les réserves d'or qu'ils prétendent avoir. Et on sait que les cours de l'or sont totalement manipulés, puisqu'en gros, vous avez 5 intervenants qui font les cours de l'or selon des impératifs géopolitiques. Les Chinois veulent rompre avec ça. Les Indiens veulent rompre avec ça. Vous savez que les Indiens sont les plus grands détenteurs privés d'or. C'est extrêmement intéressant de se poser la question, mais je ne suis absolument pas sûr qu'à 10 ans, pour le dire comme ça, il n'y a pas une alternative au dollar. Pascal, alors je voudrais d'abord, moi aussi, vous féliciter pour les brillants exposés, la façon dont vous avez une perspective bien au-delà de l'innovation financière. Comprendre ce que vous voulez dire de bâtir
par une citation qui m'a toujours amusé, qui est la suivante. Il paraît que c'est la banquier. L'innovation financière, ça consiste toujours à trouver le moyen de prêter de l'argent à des gens à qui on ne devrait pas prêter de l'argent. C'est bien ce qui s'est passé avec les Sopras. Et malheureusement, je vous pose une question embarrassante. Pensez-vous vraiment que Trump va aller très loin dans la réglementation de la finance américaine alors qu'il a pris trois anciens de Goldman Sachs dans son gouvernement? Extrêmement prudent là-dessus, parce que je penserais que Donald Trump, comme beaucoup de présidents américains, dès qu'il aura mis les pieds à la Maison-Blanche, va penser à sa réélection. Et si Donald Trump pense à sa réélection, il va penser nécessairement à relance économique dans le territoire américain. On voit qu'il s'y consacre déjà, puisque ses premiers effets positifs, c'est d'avoir gardé quelques centaines d'emplois. Voilà. Et s'il pense à sa réélection, il y a une deuxième chose qu'il ne peut pas faire, c'est oublier la colère contre Washington qu'il a fait élire. Il a fondamentalement été élu sur tous, je te remercie. Je suis un peu vite. Vous savez, parmi les blagues qui continuent de circuler sur les sites de Trump, il y a un problème majeur de pollution. Quand on aura jeté tous les déchets humains de Washington à la mer, ça va polluer, donc on en fait quoi? Mais ça fait partie des trucs qui ont circulé à des millions d'exemplaires. Je dis ça parce que c'est comme pour illustrer la violence. La violence est considérable. Et je ne vais pas répondre à votre question, je vais simplement dire... Je ne vois pas comment il pourrait dire « j'ai été élu là-dessus, je n'en tiens aucun compte ». Vous savez qu'il y a déjà des réactions assez violentes. Comment se fait-il qu'il a dit dans ses derniers messages « Hillary Cook, Hillary, je vais la faire mettre en prison » et après il dit « c'est une personne remarquable, il n'est plus question de la poursuivre ». Ça, il faut qu'il fasse attention, je dirais. Alors, je ne sais pas du tout ce qu'il va faire. Je dis que ce capital qu'il a porté au pouvoir, c'est difficile de ne pas en tenir compte. Pour prolonger un peu, il se trouve que j'ai été assez proche ou bien connu les origines du Tea Party. Le Tea Party, c'était très proche d'Occupy Wall Street. Ça a été récupéré par des milliardaires texans qui ont fait du Tea Party un outil de renaissance et de durcissement du grand parti républicain. Mais à l'origine, le Tea Party, c'était les gens de Washington à la mer. Ce qu'on a beaucoup oublié en France en faisant un truc réactionnaire, c'était un truc beaucoup plus révolutionnaire, puisque aux États-Unis, l'aspect gauche-droite n'est pas celui qu'on pense. C'était la révolution venue des routes, ce que Roosevelt avait merveilleusement incarné. Et donc, vous avez beaucoup de gens qui pensent que pour Donald Trump, qui est quand même quelqu'un qui connaît les chantiers, qui connaît ce que veulent les gens, regardez son projet de restructuration des infrastructures, il y a quelque part une référence à Roosevelt qui sommeille. Et donc, je ne sais pas ce qui se passera, d'autant qu'il a fait des promesses sur la déréglementation, je ne sais pas ce qui se passera, mais il ne peut pas faire comme si le courant de colère qu'il a fait élire n'existait pas. Bien, ben nous allons passer à la phase de questions. Première question, Olivier. Mais peut-être que pour compléter rapidement sur les...